Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 17 octobre et nous nous retrouvons pour le retour de course Lidl. C'est parti! Alors nous commençons ici avec des rouleaux de sopalin, donc 8 rouleaux pour 2,99€, opération XXL. Ensuite ici on en a tous besoin, sinon on n'en a plus, ben aïe aïe aïe. Donc des rouleaux de papier toilette, 12 rouleaux pour 2,05€. Ici nous avons le café Tradition Corset Intensité numéro 9. Nous avons combien? 36 dosettes dedans pour 2,09€. Ici nous avons des compotes en gourde pour 12 compotes à 2,31€. Nous tournons, ici nous avons un petit paquet de 500 g de coquillettes à 73 centimes. Ici une bouteille de vin rouge avec une promotion à 2,19€ la bouteille moins 44 centimes, ce qui m'a fait 1,75€ la bouteille. Ça c'est pour faire une recette. Ensuite ici nous avons un paquet de 8 sachets de riz à 125 g le sachet, donc 1 kg de riz à 1,16€. Ici, nous avons deux tablettes de chocolat à dessert à 200 g la tablette, à 79 centimes la tablette. Ici, nous avons pour le goûter des enfants deux paquets de biscuits au cacao à 1,09€ le paquet. Ensuite, ici, nous avons la crème entière à 30% pour 1,89€ les trois briquettes. Ici, nous avons les bonbons à la fraise à 89 centimes et les dents de Dracula à 79 centimes. Ça, c'est pour faire la surprise de gâteau mercredi, le gâteau Halloween. Ensuite, ici, nous avons deux boîtes de raviolis à 1,01€ l'unité. Ici, deux boîtes de lentilles à 75 centimes l'unité. Nous avons ici une promotion XXL 2 kg plus 1 kg offert, donc 3 kg de carottes à 1,79€. Ensuite, nous allons chercher là-haut les poires. 1 kg de poires à 1,49€. Ici, les champignons de Paris à 1,19€ pour les 250 g. Un sachet de pommes golden, 2 kg de pommes à 2,99€. Des pommes de terre, 2 kg de pommes de terre pour four, purée et potage. Oh, c'est mon fils qui tousse, il se réveille. Non, il se rendort. Donc les pommes de terre, 1,99€. Ensuite ici nous avons des clémentines. Quand j'ai vu les clémentines, j'ai dit tiens, allez, on va essayer pour voir si elles sont bonnes ou pas. Parce qu'en général, moi les clémentines, il ne faut pas qu'elles soient acides, hein, sinon j'aime pas ça. Donc je vais goûter. Et les clémentines, elles étaient à 1,49€ le filet. Ensuite ici nous avons un beau brocoli à 1,99€. Un filet d'échalote à 99 centimes. Ici 6 bananes pour 99 centimes. Deux courgettes à 2,49€ le kilo, ce qui m'a fait 2,01€ les deux courgettes. Ici nous avons deux salades iceberg, l'unité à 99 centimes. Ici nous avons un chou-fleur à 2,99€, une tablette de beurre à 1,75€, un coulommier pour 1,56€, le lardon fumé, 200 g de lardon pour 1,49€. Ici, le râpé aux trois fromages, combien? 1,29€. Le fromage fondu, donc 24 portions, pour 1,99€. La crème fraîche légère à 15%, 1,05€. Les petits fromages frais, où on en a 18 dedans pour 1,96€. Les yaourts nature sucrés au sucre de canne, pour 2,10€, il y a 16 pots dedans. Les liégeois, les 8 pots de liégeois, 1,49€. Ici, nous avons de la farce à légumes, donc deux paquets de farce à légumes à 2,89€ l'unité, donc 5,78€ les deux. Ici, des aiguillettes de poulet, pareil, j'ai pris 3 paquets à 3,45€ l'unité, donc 10,35€ les 3 paquets d'aiguillettes de poulet à 400 g le paquet. Ensuite, ici, on a une opération XXL, cuisse de poulet, 2,5 kg de cuisse de poulet,
pour 5,30 €. Derrière, nous avons de la viande bœuf bourguignon, 650 g la barquette. J'en ai pris deux à 5,99 € l'unité, donc 11,98 € les deux barquettes. On tourne. Ici, nous avons des petites potato. Ça m'a fait un peu rigoler, donc je dis pour les enfants, ça va leur plaire. Il y a 450 g dedans, spécial Halloween à 89 centimes. Ensuite ici, c'est tout ce que j'aime pas, mais que les enfants aiment. Et comme c'est les vacances et que le midi, il va falloir faire vite et qu'ils puissent manger quand même, eux ils adorent ce genre de choses, pas moi. Moi j'aime que le fait maison, mais bon, faut bien leur faire plaisir aussi. Vous me direz où est le plaisir. Je confirme, je vois pas où est le plaisir, mais bon, ils aiment ça, donc il en faut pour tout le monde, on va dire. Donc le hachis parmentier, 2,59 € la boîte pour 1 kg. Ici, nous avons pareil, 3 pizzas pour les enfants, 1,99 € les 3, donc margarita. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dessus, et nous, on peut rajouter ce qu'on veut en plus dessus. Ça sera peut-être un peu meilleur. Ensuite, pour terminer, ici, pareil, brandade de morue. Après, j'avoue que la brandade de morue, moi-même, je ne l'ai jamais faite. Ça me fait peur en fait. Je pense que ça fait trop de travail. J'ai peur de mal dessaler la morue. Mais donc voilà, ça c'est pareil. C'est pour les enfants. Ça va changer un peu pour 3,05 €. Voilà, donc pour tout ça, je reprends mon petit ticket de caisse qui est ici. Et je vous montre le total. Si j'y arrive. Oups. Allez, voilà. On en a pour 102,43 €. Donc, pour une semaine complète, y compris les repas du midi, voilà tout ce qu'on a. Et il y a aussi tout ce qu'il faut pour faire plein de recettes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo retour de course. Je vais vous présenter en fin de semaine prochaine, dimanche prochain, le retour de menu de tout ce que vous avez vu aujourd'hui pour le cours des courses d'aujourd'hui. Je vais vous faire en vidéo montrer les assiettes qu'on aura mangées tout au long de la semaine avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, mettez un petit pouce ou abonnez-vous, c'est comme vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt.